Putain, c'est quoi ce boulon, non? Ça pue la merde, cette histoire. Faut vraiment aller dans cette grotte, là? Non, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Ouais, c'est pourtant bien sa putain de bagnole sans plaque. Allez, je vais aller par là. Oh putain. Oh non, faut que je me mette les pieds dans la flotte. Et il veut que j'aille par où là? Y a pas d'entrée. Par là? Oh non, putain, par là-bas. Pff, déjà qu'il pleut, fait chier. Oh, j'ai pas envie de marcher dans l'eau, putain. Oh putain, y a de la flotte partout. Fait chier jusqu'à... Oh, jusqu'à mes genoux là, putain. Alors ensuite... Oh putain, ça descend, c'est vraiment flippant. Je vais me faire descendre, c'est sûr. Oh putain, c'est casse-gueule, j'ai failli me casser la gueule. Ok. Ensuite, faut descendre. Ouais, bah je vais descendre. Oh. Ok, ok, je m'accroche là. Ok, ça va. Oh, éteins ta torche là, je vois rien. Ah, oui, désolé. Attends, on est dans une grotte là? Mais c'est le repère parfait pour un psychopathe qui veut me traquer comme un rat, mais c'est... Attends, c'est... attends. Quoi? Psychopathe? Ironique venant de celui qui a dissous mon homme de main dans de l'acide sans trembler une seule seconde. Attendez, non mais d'ailleurs, mais comment vous avez eu ces photos? J'en ai jamais parlé à personne, il y avait personne là où j'en étais, enfin... dites-moi, comment vous les avez eues? Eh, on n'est pas dans un film ici. Je ne vais pas dévoiler mes méthodes dès notre première rencontre. Espèce de chien. Bon, vous me voulez quoi, là? Pourquoi cet acharnement? À la base, c'était ton ex-employeur qui nous engageait. Mais après l'accident, t'as piqué mon intérêt. Oui, bon, à vrai, j'ai pas le temps. Eh bien, travaillons ensemble, alors. T'as le potentiel de devenir l'un de mes meilleurs éléments. Et puis, tu sais, si tu veux pas que tes photos arrivent au poste de police, t'as vraiment intérêt à m'écouter. Ok. Bon. Allez, parle. Dis-moi ce que tu me veux. Et bienvenue pour un nouvel épisode de Partir de Rien. Le maçon est passé à la ferme, on a fait du off et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Comme vous l'avez vu, voilà un off plutôt sympa et je suis encore une fois en compagnie du Virgile. Comment ça va, Virgile? Ça va et toi? Bah, ça va impeccable parce que, les amis, j'ai contacté notre cher VS Théo qui est sans doute le meilleur constructeur de ferme. Quelques petits extraits de ce qu'il est capable de faire. Absolument fort, et d'ailleurs j'ai même l'extrait de ce qu'il a fait, mais avant on va le découvrir ensemble, parce que franchement quel goat. Alors je l'ai pas encore payé, comme vous pouvez le voir j'ai la même argent à peu près qu'à la fin du dernier épisode, parce que je n'ai pas encore payé sa prestation de maçonnerie, parce que c'est en live qu'on va décider combien je dois lui donner, parce qu'il m'a dit ça lui a coûté, je dis beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de vocabulaire, car en conséquent ça a coûté 1 million d'euros, et 1 million d'euros, non, je vais pas payer 1 million d'euros pour ça, même si c'est apparemment incroyable, j'ai pas encore vu. Alors on va passer par là, et on va live react à ce qu'il a fait, et je pense que c'est... Oh là 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 là! Je pense que c'est du très haut niveau. Oh putain! Oh, c'est tellement stylé! Mais quel crack! Mais quel immense crack! Mais regardez! Non mais les gars, faut vraiment se rendre compte de ce qu'il a fait. Hein. Oh,
Avec un petit écart à chaque fois, là. Non, mais c'est un truc de baiser. C'est un truc de baiser. Regardez-moi le mur qui va jusque là, comme ça. Et le plus dur, c'est de re-terraformer et tout à chaque fois. Hein. Non, mais je vous jure que c'est un merdier, les amis. Oh, avec la petite limite comme ça. Tu pourrais limite faire un autre bout de la ferme ici en hauteur, là, en fait. Oh non, mais quel crack. Quel crack. Et là, ça redescend, vous voyez, en plus, progressivement. À chaque fois, progressivement. Et pour vous montrer à quel point c'est de la folie, faut que je vous le montre sur l'outil construction. Parce que là, on pourrait se dire, ah ouais, il a placé deux murs, c'est excellent. Non, non, il en a placé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, infini. Genre tout ça, c'est un élément. Tout ce qui est en rouge à chaque fois, c'est un seul élément. Et c'est avec des bouts de silo qu'il a fait ça. Et en gros, à chaque fois, il doit placer un élément terraformé, un élément terraformé, un élément terraformé. C'est de la folie. Et là, même la petite avancée en pierre, elle est magnifique. Et j'ai presque envie, tu vois, pour ajouter un peu de détails, là, je pourrais mettre une petite bande enherbée au niveau de la pierre. On pourrait délimiter un petit peu cette zone et ça rendrait genre juste trop bien. Enfin, faut trouver vraiment la bonne façon de faire. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Virgile? Il est chaud ou pas? Franchement, c'est incroyable. Ah non, mais c'est dingue. Hein, mais chaque mur là qu'il a placé, ça, c'est hyper droit, hyper propre. Et comme ça, bah, ça me permet de placer tout ça. Bah d'ailleurs, je vous montre le petit accéléré bah, de ce qu'il a fait. Mais du coup, ouais, c'est vraiment un taré et bah, on va fixer le prix en live, parce que c'est vrai que c'est quand même une belle prestation. Moi, ça me dérange pas de payer 100 voire 200 000 euros, parce qu'en vrai, c'est ce que ça aurait coûté, ça aurait coûté très cher. Mais ça me dérange de payer un million, tu vois, genre un million, j'ai d'autres choses à faire avec un million d'euros. D'ailleurs, on a 850 000 euros, les amis. Et ouais, toujours, on est vraiment à l'aise. Hein. On a 850 000 euros, on a zéro emprunt, on a plein de choses à faire, des objectifs, tout ça. On a d'ailleurs une moisson qui va se programmer bah, pour bientôt. Qu'est-ce qui restait à faire d'ailleurs? Ah, il restait à... Bah non, même pas, je crois que j'avais fait. Il restait... Non, même l'engrais, tout est apporté. Vu qu'on a labouré, il n'y a pas besoin. En fait, il n'y a plus qu'à récolter, quoi. J'ai plus qu'à accélérer le temps et à récolter tout ça. Hein. Si je suis pas trop con, je regarde. Ouais, c'est fertilisé, c'est labouré. Alors oui, j'ai oublié de refertiliser le 178. J'ai pas fertilisé du tout le 96. Ah, mais attends, mais est-ce que... Ah, j'ai pas semé le 96. Bon, bah ce sera le grand oublié de cet épisode, le champ 96. Hein. Rip à lui. Non, bah c'est pas très grave, je pense. Et non, mais du coup, c'est cool. Bah, ce qu'on va faire, du coup, les amis, c'est que je vais accélérer le temps jusqu'à que tout ça pousse tranquillement. Ah oui, Virgile va arranger le tracteur. J'ai oublié qu'il y avait ça aussi. Les amis, ça y est, c'est poussé. On va commencer par le colza, parce que le colza, ça fait plaisir. En vrai, il n'y a rien d'autre à faire avec le colza que de le vendre, sauf si on a une usine d'huile, mais ce serait pas rentable sur le coup, je pense, Virgile. Hein. Je pense qu'on va... Ouais, l'huile, en fait, faudrait qu'on construise l'usine et... Ouais, faudrait faire pas mal de récoltes pour la rentabiliser. Donc en vrai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récolter, je pense, le colza en classique. Je vais monter dans notre belle John Deere. Et c'est vrai que la John Deere, elle nous a servi... Ah, elle nous a servi peut-être une fois avant l'ensilage. Ou alors on l'avait acheté pendant le live. Non, on l'avait acheté avant le live, je crois. Sauf qu'on... Eh, n'empêche, on commence à avoir du matériel, les amis. On a la John Deere, on a l'arracheuse à betterave, on a une ensileuse, et on a beaucoup de matos. On commence à avoir une ferme qui est bien, bien huge. Hein. Je peux te dire, je pense que c'est la fois où j'ai le plus avancé avant de changer de map. Bon, pour le moment, on a toujours pas changé de map parce que j'ai pas trouvé de remplaçante. Et par contre, le seul problème, c'est que je suis obligé de cheater un peu, de lever 20 tonnes pour passer au-dessus là, mais on n'a rien vu.
on n'a absolument rien vu. Tout est dans la tête, les amis. Je vous le rappelle, c'est important. Alors, on va partir ici. Alors, j'espère qu'on aura du rendement. Le Colossus, c'est pas gagné. Il a repris combien? On est en moyen, donc le Colossus, ça doit être quoi? 1000, 1500 peut-être? Ah, il monte un peu, hein. Ah, il monte jusqu'à 1003 en décembre, novembre. Et là, on est en mai. Ouais. On est un peu quasiment pas au pire, mais bientôt au pire, quoi. Il faudra soit vendre en mai, soit garder pour novembre. Je pense qu'on gardera. Ce sera l'occasion de nourrir des animaux, d'accélérer du temps, tout ça. Et ah oui, en plus, on aura de quoi mettre aux poules, donc ce sera parfait. Hop, et voilà. Bon, on est déjà à 1%. Ça va une vitesse folle. C'est incroyable. Déjà 300 litres, 400 litres. Ouais, bon, c'est pas dingue, mais ça avance. Ah, en vrai, avec cette barre de coupe, par contre, ça valait tellement vite. Ah oui, par contre, on avait changé la barre de coupe durant le live. C'est vrai, je m'en rappelle. Parce qu'au début, j'avais une barre de coupe. Quelle merde. Qu'est-ce que c'était long. Là, au moins. La moissonneuse, elle fait pas la maline, mais ça avance. Et ça, c'est important. Bon les amis, c'est plein dans la John Deere. Et du coup, on va les vider ça. 14 000 litres de trémie, c'est digne. Mais je crois en plus, on peut l'augmenter à 16-18 à un moment. Mais là, ça va déjà en vrai. Regardez, j'ai fait tout le tour et tout. Bon, quand c'est du colza, c'est vrai que je vais pas trop me plaindre. Et en plus, Virgile, là, il nous a fait un stock de benne. C'est vrai qu'en vrai, la benne à betterave, elle peut servir de benne classique. Hein. Donc là, je vais te dire, il est pas prêt de vider une benne. Hein. De là que je remplisse les trois. Et franchement, Virgile, je pense qu'il y a moyen. Toute la moisson de colza rentre dans les trois bennes. Hein. Bah tu peux essayer. Je pense qu'il y a moyen. Après ça peut être un peu juste parce qu'on a des gros champs, mais là, je me dis j'ai quasiment fait la moitié, j'ai mis 14 000. Ça va même pas remplir la grande. Et après je... Ah non, ça va le faire. Je pense que ça va le faire. C'est vraiment miteux. Oh bah d'ailleurs attends, c'est quoi ce champ? On l'a pas? Le champ numéro 97. Ça a l'air d'être du colza dedans. Comment je vois ça? Comme ça. Et c'est du colza. Bah attends, c'est un signe du destin. Il vaut combien? 65 000 en plus. Oh bah attends, ouais. En plus, c'était celui qui nous manquait, celui-là. Ouais, bah allez, hop, ça part. Ça part en achat. Hop, 97. 65 964 euros. Allez, un petit investissement en champ, les amis. Certes, un petit peu de dépense d'argent. Mais franchement, ça tombait sous le sens. Regardez, c'est ce qui manquait pour faire, vous voyez, le bel alignement qu'il y a là. Comme ça, là, on est vraiment tranquille. Après, par contre, les prochains investissements, je vais le faire selon déjà ce que vous m'avez dit en commentaire. Mais ça sera des champs par là. Et on va pouvoir même d'ailleurs en rassembler certains parce qu'il y a pas mal de bandes enherbées sur ce côté-là. Donc au moins, on va pouvoir virer un peu tout ça et ce sera bien. Pendant que je fais ça, d'ailleurs, il y a Virgile qui est en train d'amener le matériel qui sera plus adapté à la prochaine ferme. Bah, t'as déjà eu le temps d'emmener la racheuse à betterave du coup? Ouais, elle est et même là, rangée déjà. Ok, et là, t'es en train d'emmener l'ensileuse alors? C'est ça. Et derrière, j'ai emmené tout ce qui est outils à ensilage, transborder, etc. Ah oui, et ouais, transborder, ouais. Enfin, transborder, convoyeur. Ouais, c'est ça. Convoyeur. Ah oui, il y aura aussi, tout ce qui est. Comment, lame, rouleau à emmener, ouais, évidemment, ça ne sert. Peut-être même, j'ai envie de dire, ce moir à maïs en soi. Hein. Parce qu'en vrai... Ouais, j'y pensais, mais pour le moment, on n'a pas de champ de l'autre côté. Donc, si on veut faire du maïs, ça sera forcément par là, tu vois. Ouais, mais je pense franchement, la prochaine fois qu'on a de faire du maïs, ça sera là-bas. En vrai... Je t'emmènerai, puis si on a besoin, on ira le chercher. Ouais, je pense que ce sera plus simple. La moisson de colza est terminée et tout n'est pas vraiment rentré. Alors on va essayer, mais à mon avis Virgile ça va être compliqué. Hein. Ça va être facile. Attends, t'as combien dans ta trémie? J'ai 13 700. Oh je te jure que ça passe. Oh je te jure que ça passe. Oh c'est magnifique. J'ai 14 100 et je suis à 51%. Oh ça peut passer à rien. Oh ce serait incroyable. Oh ce serait un coup du sort quoi. Quel hasard. Des bennes achetées à des moments différents. Rien n'était prévu les amis, rien n'était prévu. Oh c'est dingue. Putain mais je suis vraiment coiffé comme un balai à chiottes. Ça c'est un autre problème. Oh, c'est vrai que la vitesse de la vidange, de la trémie est un peu
long. T'as combien là? Il te reste combien? Il me reste 5800. Oh, ça le fait, ça le fait, ça le fait, je te le dis, ça le fait. Moi j'ai encore 15% de libre, je suis à 24 000, il me reste 12%, 10%. Oh, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Oh non! Oh non! 47. Il te reste combien? 547. Ah ouais. Ah, ça s'est joué à peu. Ça s'est joué à peu. En vrai, ouais, non, je pense qu'on va vider dans le silo, en vrai. On va vider dans le silo, ce sera plus simple. Mais au moins, voilà, la moisson de colza, les amis, ça c'est fait, quoi. Une bonne chose de faite. Ah, c'est vrai que faudrait que j'installe mes chevaux, moi, d'ailleurs. Théo, VSTO, il m'a dit, ce serait bien de mettre l'enclos de base. Il m'a dit de le mettre... Alors, attendez, qu'est-ce qu'il m'a dit exactement? Attendez, je vais commencer à vider avant de lire le petit message qu'il m'a envoyé. Hop, je me mets ici. Hop, on freine. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a tout simplement dit, Théo, pour placer les chevaux, je prendrai l'enclos de base avec les box et je les mettrai sur le côté d'en bas. Alors, le côté d'en bas, du coup, c'est pas le côté qui est en haut. Oui, je sais, je suis assez perspicace. Mais, genre, sur le côté là, il m'a dit, ça pourrait être intéressant. Il y a encore de la trace de la pâture dans l'herbe. C'est vrai, c'est pas con ça, Théo. Après, est-ce qu'on va avoir assez de zones de passage? Ça, c'est pas... Ah, c'est vrai que c'est vraiment stylé ce qu'il a fait. Quel boss! Quel boss, quoi. Il est vraiment trop chaud. Attends, si je vais dans animaux, les amis, je vais dans chevaux. Ah, il y en a plusieurs de base. Il y a le grand et le grange. Ok, grange et grande. Ok, on a la grande grange et la grange normale. Ah ouais! En fait, il a laissé un emplacement. Il avait testé, mais avec cette grange-là, je pense. Ouais, il avait testé avec cette grange-là. C'est vrai que c'est pas bête, en vrai. Tu peux avoir l'enclos qui est pas trop dans la... Et en vrai, c'est pas con. Mais il est trop fort, en fait. Il avait tout prévu. Hein. Et je pense qu'on va faire ça, les amis. Hein. Ce sera le retour des chevaux. Mais par contre, on mettra, avant de recommencer les chevaux, on mettra évidemment le bot. Mais je peux déjà placer au moins le bâtiment. Je garderai bien de l'argent pour le BGA. Mais pour le moment, j'ai rien à mettre dans le BGA en soi. Donc autant bien avancer ça. Attends, je vais essayer de placer ça. Hop, c'est pas mal, là. Attendez les amis, on regarde ça. Bah c'est pas mal, c'est droit et tout. Bah est-ce qu'il m'avait tout préparé, Théo? Et en plus, regardez, on a l'entrée qui est ici. Et l'enclos, bah voilà, c'est un petit peu en descente. Et ça s'arrête pile à la route ici. Oh, c'est génial. Non, franchement, c'est génial. En plus, on peut sortir par là en sautant avec les chevaux. Comme ça, on peut aller se balader de ce côté-ci. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est vraiment trop bien. Là, franchement, Théo, tu nous régales. Hein. Là, Théo, j'ai rien à dire. Hein. C'est juste de la riade. À part que, on va partir. Je vais remonter dans la moissonneuse. Ah bah non, la moissonneuse, elle a encore du grain dedans. Non, je l'ai vidé. Ah, t'es le boss. T'es le boss. Comme ça, je vais monter hop directement dans la John Deere, les amis. Puis là, je vais attaquer de l'orge. Alors, en vrai, je vais pas faire de bot. On va faire de l'orge pour faire de l'orge pour pouvoir nourrir nos poules. Ce sera plus simple. Et non, mais en vrai, là, on va très vite quand même. Hein. On va très très vite. Ça fait à peine 2 heures qu'on tourne et on a déjà moissonné tout le colza. On a fait d'autres trucs. Là, on va pouvoir s'attaquer à l'orge. Ça va aller assez vite. Alors attends, ouais, non, du coup, je fais pas d'endin. Est-ce que ça va le broyer de base l'orge? Oui, c'est bon. Ok, bah c'est impec. Bon, bah les amis, écoutez, bah, je vous remets un accéléré. Le temps que je continue dans cette folle moisson avec Virgile, c'est parti. Bah la moisson est finie, Virgile, non? Ouais. Ah ouais, alors c'est vrai qu'on a 2 champs d'orge là-bas. Je les aurais presque achetés en vrai. Parce qu'ils sont là, ils sont prêts, ils regardent que nous. Mais le truc, c'est que les amis, financièrement, il faut penser à la prochaine ferme. Et ce sera notamment l'objet de la seconde partie, je pense, où je vais investir dans un BGA du Pump and Houses. Et du coup, je pense que c'est un peu con d'investir maintenant dans 2 parcelles. Alors que, bon, il y a déjà quand même en plus pas mal de parcelles. On a déjà investi dans une parcelle en plus. Là, on commence à avoir un groupe sympa. Il va falloir ensuite se concentrer, je pense, plutôt vers la partie qu'on a par là-bas. On a aucun champ. Donc c'est ça, hein. Il va falloir des champs, il va falloir un BGA et même en faisant un bel emprunt à mon avis, on va être très short. Alors regardez, juste un champ par exemple, juste à côté là, on monte à 170 000 euros parce que c'est des champs, on dirait pas comme ça, mais qui sont quand même d'une taille vachement plus grande. Regardez là, c'est vraiment des petits champs, donc ça allait d'investir. Là c'est minimum, voilà, le plus petit et encore celui-là vraiment il est ridicule, c'est 40 000 euros, mais on arrive plus vers 100 000 euros en prix moyen pour les champs. Donc va falloir être un petit peu plus intelligent que ça. Du coup, on en était où? J'en étais là avec la moissonneuse. On va regarder, on est à, je sais pas, j'ai combien dans la machine, j'ai 5 000
000 litres. Bah, et... tu peux vider dans la benne et puis vider dans le sud. Ouais. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. On a 100 000 litres de colza au total, du coup. Et 25 000 litres d'avoine et 175 000 litres d'orge. Ah, c'est pas mal. Franchement, on n'avait pas tellement plus. Mais après, on n'avait pas tout consommé, en fait. Ouais, il en restait. Il devait rester, je sais plus, 90 000, je crois. Donc, ça doit être pour ça. Non, mais c'est bon, on entend un mec, il est en rave. Non, mais. On oui, a... il y a des basses, il y avait des basses. C'est les basses d'Alan qu'on entend. Le mec est en rave. Bonjour, je suis en train de faire du montage. Il est en train de se faire poser un piercing sur le téton. c'est quoi c'est la prochaine vidéo de Wallon. Je m'incruste en rave sur FS19. Non, c'est le avec prochain. Jérém. C'est le prochain roleplay de PDR. Ah ouais, bah, je suis en rave dans le prochain. Enfin, dans le roleplay cet épisode, du coup, les amis, apparemment. alors, on va faire comment. Bon, allez, c'est bon, on fait une petite manœuvre à la main. Ça, c'est... Ouais, c'est offert. Hein. Vous aimez pas quand je fais ça du porté-charge lourd. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien. Ça m'économise 2 minutes, je vais te dire. Je trouve pas ça plus mal. Ça vide là ou quoi? Ah oui, ça vide. Oh, j'adore ce. Ah, vraiment, je vais le redire. Hein. Mais moi, ce New Holland, franchement, c'est magnifique. Je le trouve excellent. Mais du coup, comme ça, on a plein d'orge. Bah, en vrai, Virgile, plutôt que de vider la benne, est-ce qu'on leur mettrait pas un petit peu de grain à tes animaux favoris C'est-à-dire les poules. En vrai, je pense que tu pourrais leur mettre une benne. Hein. Une petite benne. Bah, en plus, avec une benne, tu remplis les deux maintenant avec la campagne, non? Oui. Ouais, je pense parce qu'on met 18 000 et dans la benne, je crois que tu nous mets quelque chose. Essaye déjà de vider et ensuite on ira leur remplir. Pourquoi? Ah, ok, attends. Alors. Ah ouais, mais attends. Et pourtant, j'avais placé un silo vachement plus grand. Après, ah ouais, 300 000. Ah ouais. Ah merde. Bah après, du coup, ça va qu'on vide. Parce que j'avoue que ça aurait été relou. Ah ouais, merde. Il faudra aussi dans l'épisode, les amis, ou peut-être début du live, enfin pendant le live, j'irai vendre, je pense, tout ce qui est colza. J'accélérerai un peu le temps. Bah, de toute façon, je vais accélérer le temps là, comme ça. Ah ouais, c'est nickel. Comme ça, on nourrit les poules. J'accélère le temps. Ça va faire des œufs et je vais en profiter pour aller vendre le colza qui va rapporter sans doute 150 à 200 000 euros. Ça va nous remettre aux alentours des 800 000. 800 000 euros, les gars, ça nous fera un beau budget pour acheter des champs. Et en vrai, c'est trop bien. Et comme ça, dans la suite de l'épisode, bah, je construis la deuxième ferme. Sachant que la première, elle a été tellement améliorée par mon Théo. Je pourrais même rajouter des arbres là si je veux. Même un niveau ici hein, qui aurait pu être sympa. En vrai, si Théo était passé plus tôt, je pense que j'aurais fait la ferme. Vous voyez, j'aurais aplani là et j'aurais fait la ferme. Encore à ce niveau là, c'est vrai que ça aurait été monstrueux de faire ça hein. Avec un deuxième niveau de mur là, mais ça aurait été un peu complexe à faire, mais j'aurais bien aimé. Faut que je vois ce que je vais mettre là d'ailleurs, je sais pas encore ce que je vais mettre ici, je pense qu'il y a moyen de mettre des beaux bâtiments. Je verrai avec Théo s'il a des idées, ou même vous en live si vous en avez, ou en commentaire. D'ailleurs je vais lire vos commentaires un petit peu plus tard dans l'épisode. Ah bah on est plein ici, hop, tac, on va aller voir ça. Ah bah oui, je remplis largement normalement les deux poulaillers. Ah, ce que j'aime bien avec le New Holland, c'est que bon, il a, ouais, c'est vrai qu'il a quand même un petit peu de mal avec cette benne, mais ça va. Bah, les autres ils auraient vraiment eu trop de mal quoi. Oh là, même en montée, hop, il a 30, 40. On va se dire c'est pas grand chose, mais rappelez-vous quand même que les gars qu'on a une benne de 41 800 litres. Hein. C'est pas ridicule, hein. Vraiment pas. Hop, petite marche arrière. Vous m'ouvrez la grille, monsieur? Ah oui. Tac. Hop, et ça. On vide. Alors, ouais, c'est vrai que l'animation avait du temps à démarrer sur cette benne. Au début, tu vois un gros bloc de blé, t'as l'impression que Virgile a mis de la super glue. Mais j'ai rien fait. C'est ça, ouais. t'as mis du slime pour faire des TikTok. Attends, ah non, là ça va, 22, il reste 22 000, 53%. Bah, ah, 19 500, hein, que ça. Ah, prend. C'est 19, ah, je croyais que c'était 18. Ah ouais, bah en fait, ouais, faut bien une benne comme ça. Hein. Il m'en restera juste un petit peu pour me faire yesh. Ah, petite assistance au recul. Pff, vous avez rien vu, vous avez absolument rien vu. Ouais, non, mais après, Virgile, faut faire un effort. Faut lâcher un benne à un moment. Ah, il recule maintenant. Ils avaient rien vu, le mec, il m'emmène partout. C'est trop. Voilà, et là au moins ça sera nickel. Bah voilà, comme ça sera parfait pour cette première partie les amis de l'épisode. Et dans la deuxième partie, elle va être assez longue en soi parce que j'ai les commentaires à lire, on va parler des objectifs et je vais enfin faire la seconde ferme. Donc là il va falloir mettre plein d'argent de côté. Et puis voilà, c'est juste parfait. Merci les gars et on se voit juste bah, pour le live. Alors regardez. Oh là 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 là, ce qu'il a fait VSTO. Alors, je vais vous le dire les gars, en réel, ça a coûté 1 000 000 d'euros. J'ai pas les moyens actuellement de financer ça. Hein. Donc je vais vous faire des propositions les gars. Je vais vous proposer des prix, il n'y aura pas 1 000 000 dans la liste. Hein. Je vous le dis, là, il y a des limites quoi. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Quel prix pour l'aménagement? Alors, premièrement, on va mettre... En vrai, allez, le moins cher, j'ai pas envie d'aller en dessous, 50 000 euros. Ensuite, on a 100 000 euros. Ensuite, on va passer à 200 000 euros. 200 000 euros. Et franchement les gars, je mettrai pas au-dessus de 300 000. Là, parce que... Non mais 300 000 balles les gars, vous vous rendez compte ce que c'est 300 000 balles? Voilà, je vous propose des prix, vous votez ce que vous voulez. Votez 50 000... Non, je rigole, votez ce que vous voulez, vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Ah oui, vendre le colza, parce qu'on a fait une récolte, machin. Là, il faut que j'aille vendre le colza. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on... Ah ouais, ça monte pas tellement plus haut. On va accélérer jusqu'au mois de novembre. En plus, mes poules, elles ont eu du grain. Donc autant te dire qu'on a gavé les poules. En grain. Après, on commence à avoir des œufs. Mmh. Ah, les œufs, c'est. Je vois des dollars dans mes yeux quand je les vois. Le sondage, c'est vrai. Oh, bande de bâtards. Allez, on met fin au sondage là vite. Oh, bande de bâtards. Eh, vous avez essayé de me baiser ou pas? Eh, vous êtes des malades, vous. On a failli payer 300 000 le mur. Oh, on a eu chaud, hein.
100 000 balles. Bon, bah, c'est 100 000 balles le mur, les gars. Je vais le payer. On a eu chaud, putain, à 2% près, les gars. On passait sur du 300 000. Alors, remove money. Boum. 100 000. Vous avez décidé 100 000, les amis. Je pense que vous avez fait un bon choix en soi. Parce que c'est vrai que 50 000, c'était peut-être un peu léger. 100 000, on arrive à un truc, tu vois. On arrive à quelque chose qui commence à être sympa. Donc, voilà, sympa. Allez, hop. On a d'autres affaires. Ah, bah, il fallait que j'emmène le colza. Il fallait que j'accélère autant. Et à la base, du coup, j'étais parti chercher du grain. Hop là, et là je décharge le grain. Hop, je régale. Là je te régale, con. Je te mets une benne de grain dans le pif. Alors, on en est où là? Niveau price, là-dessus, on en est sur... Oh, on commence à avoir des prix qui sont moins dégueux. Donc là, on est en septembre. Ah, on peut aller chercher des prix beaucoup plus beaux quand même. On va encore attendre. Allez, j'accélère le temps vite fait. Oh, Mittelberg, c'est quoi? Ah, c'est le train. Mais je crois que le train, il est spécial. Comment j'emmène des œufs à Mittelberg? Tu me dis je... Ah, il y a un plateau, techniquement. Ah, j'ai zéro confiance sur le fait que ça marche. Hein. Vous pensez qu'on peut mettre les œufs sur le plateau du train? Oh, j'y crois. Mais si j'y crois à ça, je suis le client de l'année. Hein. Tu regardais le prix du colza? Ah, oui, bah attends. Du coup, ouais, mois de novembre, normalement, midi, là, on est bien. Oh, tu regardais le prix du colza? Mais c'est les... Ah oui, mais non, mais j'ai le cerveau. Oh, le cerveau du mec. Oh, je suis en train de... Oh là là, mais je suis trop con. J'ai tout mélangé. C'est bien du colza que je veux vendre et pas des œufs. Hein. Oui, donc en fait, je peux carrément emmener mon grain à Mittelberg. Oui. On va charger la benne de colza. Et on fera ça dans la P2 ensuite. Alors, par contre, c'est où Mittelberg? C'est miteux Mittelberg ou pas? Bah, ça doit être vers là, un truc comme ça, non? Alors là, ouais. Alors là, ça... Ah non, mais là, ça va être sympa. Alors attendez, on va aller à pied. On va s'en rendre compte, comme ça, demain matin, quand j'aurai la tête dans le cul, je galérerai pas trop à trouver. Chemin du train, il passe par où? Ok, ça a l'air sympa. Je le sens bien. Ah, je le sens... Ah, le Mittelberg! Oh, il est formidable. Oh, il est formidable. Là, on a loué un train. Donc, je peux louer un train à partir de là. Ça n'a pas trop l'air de charger du grain des masses, hein. Ah bah c'est bien, bah c'est important de faire des points de vente. Même s'ils servent à rien, au moins tu les as fait quoi. On peut pas te dire, ouais, t'as pas fait les points de vente. Je les ai fait, mais ils servent à rien. Il faut que tu loues le train, vide ta benne avec une goulotte dans la benne du train. Ah ouais, mais là ça va être chiant. Tu dois louer un convoyeur. Après j'ai jamais fait, c'est peut-être l'occasion d'essayer. C'est sûr. Bon les amis, comme vous l'avez vu dans le live d'hier, on va emmener le colza à vendre. Et pour ça, on va faire quelque chose de pas commun en fait. On va utiliser le train. Là, vous allez me dire, ouais, tu l'as déjà fait. Oui, c'est vrai. Mais ce train sur cette carte, on n'a pas vraiment de silo dans lequel on peut le remplir. Donc il va falloir qu'on utilise les convoyeurs, comme vous l'avez vu, les vis dans le live. Donc bah écoutez, moi je suis parti. Je vais aller direction le train. Je crois qu'il faut que je passe. Bah je peux passer par là ou par là-bas. Quoique. Ah non, je vais passer par la ferme. C'est la route la plus rapide en vrai. Parce que c'est vrai que là, vu qu'on est dans les montagnes, on fait rapidement des gauches-droites. Alors que la ferme, vu que c'est nous qui l'avons terraformé, c'est assez droit pour aller rejoindre quasiment la gare. Donc bah écoutez, je suis parti les amis, et puis on se retrouve une fois que je suis sur place pour louer la vis et essayer de voir comment ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ça se trouve c'est une info de chat et ce serait très triste, j'espère pas. Ok, je viens d'arriver à la gare, alors là je vais faire la petite marche arrière. On va déjà appeler le train évidemment, il va falloir louer. Oula, les marches arrière c'est toujours un peu compliqué. Hop, comme ça, on va aller du coup sur le point pour louer. On va remettre l'interface. Voilà, louer le train, 1000 euros par an, on s'en tape. Il devrait arriver. Bon là, il va dans l'autre sens, du coup forcément, on voit qu'il. Là, c'est le temps qui freine. Ouais, vous voyez, ça ralentit et qu'il arrive. Donc en attendant, nous ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le shop et on va louer évidemment. Hein. J'ai déjà un convoyeur, donc je peux en louer un autre qui sera. Bon, c'est pas exactement le même type, qui sera à peu près de la même taille. Surtout qu'on a un gros hein, qui vaut assez cher. Nous, on a un Grim Quantum, donc là tu vois on prend du moins cher. Et en vrai je crois que le plus intéressant, je crois que celui-là fonctionnerait bien. Tu vides là et tu remplis le train là. Après ça serait peut-être pas assez long hein, en soi, je me demande. Le meilleur c'est peut-être encore celui-là hein. Le convey hall là qui est quand même assez grand. Ah, celui-là c'est vrai qu'il est énorme. Allez, on teste celui-là. Hop, 1300 € de location, ça va encore. Ça me l'a mis ici. Alors comment on va faire ça? Je m'en suis jamais servi hein. J'en suis absolument jamais servi. On entend le train qui arrive là je crois. Non, j'ai rêvé. Ah, il arrive. Regardez, il est là-bas. Il arrive en marche arrière, impeccable. Alors, je monte là-dedans. Non, je peux pas monter là-dedans. Si, je peux monter là-dedans normalement. Je suis assez déçu. Alors ça se... Ah, peut-être que ça s'attelle en fait. Faut que je l'attelle et que je la règle comme ça. Je m'en suis absolument jamais servi. Hein. J'avoue, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Ah, monter. Ok, si, on peut bien monter, je me disais. Donc moteur en marche, très bien. Ensuite, avec le clic, on peut régler la hauteur machin. On peut le déplacer. Ah, ok. Donc on a la benne à grain qui est ici. Donc déjà, on va se placer par rapport à celle-là, je pense. On va se placer par rapport à ça. On n'est pas trop mal. Je pense que là, on n'est pas trop mal aligné. Ok, donc là-dessus, c'est bon. Ensuite, avec le clic, maintenant toujours, je vais
pivoter ceci, eh ben en fait on va pas être trop mal aligné. Hein. On va pas être trop mal aligné comme ça. Ensuite, je vais m'avancer là avec mon New Holland. Et est-ce que ça va me proposer de vider? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Oui, ça me propose de vider. Donc je vide. Pour le moment tout va bien. Je remonte là-dedans. Et alors, mais est-ce que j'ai besoin de monter? Ça se trouve ça va aller tout seul dans le train. Hein. Je suis pas exactement. Oh, je suis pas trop mal, hein, franchement. Donc là, ok. Voilà, info chat. Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts au fait que ça ne fonctionnera pas? distance, machin, décalage, ouais. Ah là, je suis bien aligné, les gars, hein. Je suis désolé, mais peut-être... Alors, attends, je vais... Donc ça, c'est bon. On va remettre tout bien. Donc là, techniquement, t'es en train de vider dedans. Donc bah, moi, j'ai rien, parce que j'ai pas de capacité là-dedans. Mais quand je monte dans le train, vous devez d'abord mettre le moteur en marche, si vous voulez. Enlever la bâche. Enlève la bâche de quoi? Faut que j'enlève la bâche du premier wagon, peut-être. Non? Enlever la bâche. Ah, peut-être avec N. Ah, c'est avec N. Ok. Ah, et voilà, ça fonctionne. Ok. C'était pas une info de chat. Et apparemment, on peut être 100 000 litres dedans. Bah, ça tombe bien, je crois que j'ai 99 000 litres. Ouais, bah, tu vois, j'avais. Ouais, je dois avoir à peu près ça. Donc, en vrai, c'est cool. C'est vraiment cool. On peut mettre même un petit peu moins, peut-être 80 000. Ah, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, ouais. Bon, c'est con que la bâche s'ouvre pas toute seule, parce que du coup, pendant un moment, j'ai eu peur. Mais bon, après, à voir si ça, on arrive à vendre. Mais 1000 euros de l'heure, on aura largement de faire l'aller-retour jusqu'à la ferme, de revenir. Et ça sera juste parfait. Bon, bah, les amis, je vous mets un accéléré le temps que j'ai terminé de remplir ça. Mais en tout cas, c'est l'occasion de tester quelque chose que je n'avais jamais fait. Et qui est assez intéressante en soi. Ça, tu vois, ça demande un peu de main-d'œuvre, tout ça. Peut-être qu'à terme, on l'achètera la vis à grain et on vendra que notre grain comme ça, vu qu'il est mieux repris. Et on louera le train et tout. Ce sera l'occasion, hein. C'est cool en vrai. C'est vraiment cool. Allez, on va emmener tout ça. Normalement, alors j'ai pas pu tout vider. Hein. Il me manque. Il me reste 6000 dans la benne. Ça me fait un peu chier. Mais c'est le, voilà, c'est le jeu. Alors, on peut mettre que 90 000. Oh, c'est dommage, quoi. Ah, mais attends. Je pense que dans la benne, là, on peut mettre des trucs de. Genre du grain. Oh, mais oui. Oh, bah, ça va alors. Ah, oh, tant mieux. Parce qu'en vrai, ça me faisait chier. Je trouvais aucun point de vente ici. Oh, bah, c'est bien. Oh, bah, j'ai eu peur. Oh, bah, parfait. Bah, attendez, je fais ma petite marche arrière. Je déverse le tout. Et tout sera bien dans le meilleur des mondes. Voilà, voilà. I. Très bien, allez, prenez donc tout ça, ça verse dedans, excellent. Je peux déjà monter dans le train, voilà, et normalement, c'est bon, voilà, tout est vidé. 99 000 qui vont être vendus, les amis, à un prix de 1492 euros des 1000 litres, donc on devrait normalement à peu près faire un peu moins de 150 000 euros, ce qui va être bien, ça va nous remettre bien, c'est parce que d'ailleurs, on a dû payer hein, le terraforming qu'a fait VSTO, enfin, c'est pas vraiment le terraforming, c'est la mise en place des blocs de béton, et donc forcément, bah voilà, hein, ça nous a fait perdre de l'argent, mais c'est normal après, hein, c'est normal, tout ça, ça coûte de l'argent, c'est logique, et bah là, on va kiffer, on va regarder ce que ça fait, et je pense que ça va être juste dingue. Bim, voulez-vous le train vendre le marchandise chargé? Et oui, et bim, 148 000 euros, voilà, comme dit. On est au-dessus des 650 000, 653 000 euros, on peut encore faire de l'emprunt, et on va passer du coup, les amis, je pense, à la mise en place de cette seconde ferme. Même si c'est vrai qu'en soi, j'ai aussi pas mal de boulot ici, il va falloir qu'on trouve ce qu'on met là, mais j'ai envie de voir ce que vous avez me proposé en commentaire, en aménagement ici. J'ai pas lu vos commentaires non plus, d'ailleurs, encore. Oh, on a beaucoup de choses à faire, hein. On a beaucoup de choses à faire. Bah, ce que je vais faire, les amis, c'est qu'on va, peut-être déjà regarder combien ça va nous coûter. Alors, on va acheter, déjà, je pense, quelques champs. Vous voyez, on est installé ici. Donc, basiquement, on a la parcelle qui est là, qui représente la parcelle un petit peu de la ferme, entre guillemets. Voilà, qui fait tout ça. Donc ça, c'est très bien, ça sera déjà exploitable. En plus de ça, moi, je pense qu'on va acheter... Alors, attends, je visualise un peu. Ça me fait vraiment penser à partir d'un saison 3, pardon. Cette zone-là, vraiment aménagée, là, rassemblée. J'ai trop hâte de les rassembler, les champs. Ici, là, tu vois, 38, 37, 39. Typiquement, là, il y a moyen de faire un grand champ. Franchement, je pense qu'on achète ça. Je pense qu'on achète. Voilà, hop, ça sera le premier champ. Je pense qu'on va pas trop investir en champ pour le moment. Déjà, là, tu vois, j'en aurai un grand là. Ici, il y a moyen d'en faire aussi tout autour de la ferme. Peut-être en rachetant celui-là, en rachetant celui-là. Mais ça, je vais limite y réfléchir un petit peu plus longuement. Même si c'est vrai que ça peut être pas mal de réfléchir maintenant parce qu'on le mettra dans l'emprunt. Parce que pour rappel, quand on fait un emprunt, on a 5 épisodes pour le rembourser. Et par contre, on peut pas en faire un autre. Enfin, on peut pas agrandir l'actuel. Donc c'est ça un petit peu la complexité de cette saison. Regardons vite fait. Au niveau du Pump and Houses, on est sur des fermenteurs. Ah, c'est vrai que direct mettre un gros fermenteur, moi je dis, c'est sexy quoi. Mais voilà, franchement, allez, on dit qu'il faut minimum 750 000. Soyons honnêtes, il faut minimum 750 000, je pense. Pour faire ça, bien.
bien. Avec ces 750 000, ensuite, il faudra bien 500 000 de champ. Donc là, je pense qu'en vrai, on va faire le plus gros emprunt de la série. Le plus gros emprunt actuellement, c'était 500 000 euros. Les amis, on va emprunter 750 000 euros. Je pense très franchement que... Alors, si la banque me le permet, c'est pas dit, hein, ça dépend, je crois, de la valeur de la ferme. Mais normalement, c'est possible. Allez, déjà 250 000 d'emprunter. Donc déjà, là, je peux faire le BGA. Avec on va dire, avec 300 000 euros empruntés, je peux faire le BGA. Mais il me faudra des champs. Donc on va monter à 400 000 d'emprunt. Donc déjà, là, je peux acheter quelques champs. 500 000, je peux acheter quand même pas mal de champs. Mais on va pousser. On va pousser 600 000. Il va falloir le rembourser en 5 épisodes, ce sera pas évident. Mais j'y crois dur comme fer. Voilà, 750 000 euros. Nous y sommes. Parce qu'il va falloir aussi placer. On a 1,2 million. Hein. Je crois qu'on a jamais eu autant, ou quasiment jamais eu autant d'argent comme ça. Donc ça, c'est bien. Ah oui, d'ailleurs, Virgil a emmené le matériel, comme vous pouvez le voir. Hein. On a du matos ici, du matos là. Enfin, on a du matos un peu partout. Et le BGA, je pense qu'on va l'installer toujours dans cette zone là. Cette zone était plutôt sympa. Hein. Alors, en silo, qu'est-ce que je peux mettre? Ça, c'est pas évident. Peut-être regarder d'abord ce que je peux mettre en silo. On va mettre des grands silos. Hein. On n'est pas là pour s'emmerder avec des silos imblairables. Il faut que ça fonctionne bien. Ceux-là sont toujours très bien. Hein. Mais là, ouais, le problème. Ah, c'est que la plupart des silos ne s'alignent pas. Si ce n'est pas tous d'ailleurs. Oh non, quelle horreur. Quelle horreur. Ah, il n'y en a pas un qui va. Ah, celui-là. Ah ouais, mais là, c'est pour fabriquer ses propres silos. Ah non, tu vois, regardez, quand c'est des silos complets, en fait, on peut pas. Donc cette zone-là, à part en l'aménageant avec... Ah, regarde ça. Eh, je vais être chaud, là. Attends, c'est stylé ou pas? C'est stylé ou pas? Eh, en vrai, on va l'aménager autrement, cette zone. Eh, Théo serait fier de moi, les gars. Je vous le dis, Théo serait fier de moi. Il va me le dire en commentaire s'il est fier de moi ou pas, mais là, c'est pas mal, ça. Après, c'est vrai que il m'aurait dit normalement, ah, t'aurais pu utiliser ça. Ouais, mais tu vois, ça aurait fait une différence de hauteur. Mais cette zone, on va voir ce qu'on en fait. Je sais pas encore. On pourrait mettre la fosse à lisier, enfin, la fosse à digesta du BGA, techniquement. En retournant sur le Pump and Oasis, c'est où le. On n'a pas de truc à séparateur. On n'a pas de stockage de digesta en libre. Y a pas l'air, hein. Oh, mais ça coûte tellement cher, un agénitateur machin, là. Ah ouais, 700 000! C'est ce qui transforme le méthane en électricité. Merde! Ah ouais, donc on serait obligé de prendre le petit, hein. Parce que... Et rien que le petit... Ah oui! Oh la vache! Mais en fait, il fallait clairement faire un emprunt de 750 000. Ah ouais, merde! Après, certains vont me dire, mais du coup, Marlon met le BGA là. En vrai, est-ce que vous avez tort? Parce qu'en vrai, si je mets ça là, tu vois, ça peut être marrant en soi. Ça peut être marrant de le mettre dans la partie basse, là. Ouais, mais après, il va être à moitié sur la partie basse, à moitié sur la partie haute. Attends, est-ce qu'on regarderait... Alors, qu'est-ce qu'il faut placer en premier? Est-ce que c'est le fermenteur? Est-ce qu'il y a une règle? Ou est-ce que je peux directement placer ça, par exemple? Ah ouais, non. La base, c'est forcément ça. Après, est-ce que je suis obligé de mettre un gros dès le départ? C'est ça qui est bien, hein. C'est que je peux mettre, tu vois, un petit ou un moyen, et ensuite installer d'autres. Ah, il faut que j'ai un accès pour le digesta. Donc, par exemple, il faudrait que je me mette un petit peu déporté comme ça, quoi. Un truc comme ça. Ah, j'ai vraiment envie de tester. Hein. Allez, venez, au feeling. Genre, je place ça. Bim, info. La base de l'usine biogaz a été créée. Ok. Donc là, en vrai, est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est pas stylé? Genre, est-ce qu'on se dit pas. Est-ce que c'est pas stylé? On dirait que c'est fait exprès, non? Moi, je dis, il y a moyen que ce soit. Attention, je pense que ça peut être stylé. Et tu vois, après, limite, tu sais, tu peux t'en servir de manière intelligente. Alors, par contre, là, après, du coup, une fois que j'ai mis ça, je vais mettre quelque chose qui va servir à accueillir tout simplement les matières qu'on va mettre dedans. Donc là, je pense qu'il faut vraiment... Ah ouais, mais j'aurais jamais les moyens. Vous avez vu le prix que ça coûte, celui-là? Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre 150 000 litres. Alors que l'autre, on mettait une benne. Ah ouais, mais là, regarde-moi ça, le kiff. Tu mets ça là, dans toute la longueur. Ouh. Encore plus stylé, tu mets ça là. Et en vrai, après, tu fais des marches arrière. Tu peux faire des marches arrière avec des bennes dedans. Ah, qu'est-ce qui serait bien? Qu'est-ce qui serait bien? Ça, c'est une bonne question. Après, de ce côté-là, c'est peut-être plus logique. Ou alors, j'ai ça. Après, je peux en mettre plusieurs aussi. Hein. Je peux mettre ça de ce côté-là, tu vois. Je peux mettre celui-là de ce côté-là. Où tu reculerais avec des bennes sur le même niveau. Et celui-là, que tu mettrais au godet. Je sais pas, je suis en pleine réflexion. Non, en vrai, je vais le mettre plutôt en conventionnel comme ça. Tu vois, en collant au mur. Allez, on pourra mettre 150 000 litres dedans, les gars. Hop, on a plus que 500 000 euros. Donc là, déjà, c'est pas mal. Parce qu'on a l'entrée et on a le fermenteur. Ce qui va permettre de produire le méthane, tout simplement. En gros, tout c'est. Ça va. Ouais, en fait, vous rentrez dedans, lisiez ce que vous voulez. Et ça ressort du méthane et du digesta. Voilà. Ensuite, alors, soit on vend le méthane directement. Et du coup, là, techniquement, ça fonctionne. Ou soit, on se dit, non, le méthane, on va pas le vendre directement. On va le transformer en électricité. Et là, ça demande un investissement de 360 000 euros en plus. En vrai, ça, tu peux le mettre derrière. C'est moins gênant. Tu le mets là, en vrai, c'est absolument pas gênant. Hein. Ouais, j'avoue. Hein. Ouais, je le mets... en vrai, c'est pas mal. Hein. Et après, tu vois, je pourrais l'agrandir, mon BGA. Je pourrais mettre une autre grosse entrée ici. Mais au moins, je pense que je me suis pas trop mal démerdé. Et puis là, l'arrondi, là, ça permet, tu vois, quand t'es en ensilage, de faire des allées et des retours tranquillement. Parce que la prochaine fois, le prochain chantier qu'on fait pour le BGA, c'est un gros ensilage, mais je pense un géant ensilage, hein. Limite on fera toute la map, hein. Très franchement, enfin pas toute la map, mais tous les champs qu'on a, peu importe où, hein. Même si vous allez me dire, bah, t'as plusieurs sites, ouais, mais pour le moment le site là n'est pas immense, vous comprenez. Donc ça, tu vois, je vais le placer là, tu vois, je le place comme ça, bam. Et donc comme ça, ça me permet de transformer méthane en électricité. Et comme ça, c'est la possibilité. J'ai plus que 188 000 euros, les gars. Qu'est-ce que je peux placer d'autre? Une torche à gaz, ça permet de brûler le méthane qu'on a en trop. J'en ai pas forcément besoin. Le reste, en vrai,
j'ai pas trop besoin. En fait, le prochain truc que je placerais peut-être dans ce BGA, c'est soit un séparateur, donc ça permet de fractionner le solide du liquide dans les déchets. On a, c'est quoi ça? Séparateur qui sectionne... Ouais, c'est pareil, c'est un peu la même chose. On a quoi? Là, pareil, c'est pour stocker le déchet solide. En fait, en soi, il n'y a pas tant que ça de boulot à faire. Hein. Place les deux là, puis c'est bon, hein, franchement. J'aurais presque envie de mettre des trucs, tu vois, pour décorer. Après, tu vois, à terme, je peux en mettre plusieurs. Hein. J'ai pas les moyens là, mais je pourrais mettre, par exemple, ça ici, comme ça. Et ça serait l'accès au ben quand on veut vider. Et je pense que tout fonctionnerait très bien. Ou dans le sens là, par exemple. Mais tout fonctionnerait très bien. Donc en vrai, pour le moment, je trouve qu'on a un petit BGA, mais qui va fonctionner pas trop mal. Et surtout, on a une grosse entrée. Comme ça, en vrai, je pense qu'on a une bonne base d'entrée. Et après, le reste, bah, ce sera alimenté par des gros. Parce qu'en fait, tu vois, si je veux placer une autre, ça fonctionne. Hein. Là, j'ai pas les moyens, mais si je veux rajouter un gros ensuite par là, ça fonctionnera très bien. Il faudra juste que je terraforme. Mais je pense qu'en vrai, là, notre BGA comme ça, il est pas mal. Ouais, il est pas mal du tout, même. Il est pas mal du tout. Ça a de la gueule. Bon, ensuite, il va nous falloir les silos. Ça, c'est pas évident. Je suis en train de réfléchir là par où on peut faire des silos. Alors, désolé d'ailleurs, on est au mois de novembre, c'est un peu déprimant, un peu orange, mais c'est pas grave, je pense que vous comprenez l'idée. Les silos, qu'est-ce qu'on a? On a ceux-là. En vrai, quitte à mettre des silos, on va en mettre des beaux. Hein. Là, on va pas s'emmerder, hein. On va mettre des giga silos. Alors, moi, j'aime bien l'idée qu'on peut y avoir accès que d'un côté. Je trouve que c'est limite plus pratique pour. Alors peut-être pas pour vider dedans, mais au moins pour tasser. Là, je pourrais mettre ça sur le côté, là, tu vois. De toute façon, j'ai pas trop le choix en soi. Hein. J'ai quoi comme option? On va regarder avec ceux-là, mais c'est pas ceux-là que je vais prendre. Parce que regardez, j'ai que 4 inclinaisons pour les silos. Mais il me semble qu'il y a un mode qui permettait de le faire. Là. Dites-moi en commentaire s'il n'y a pas un mode qui permettait. Bah après, c'est vrai que tu vois, si je mets les silos orientés dans ce sens-là, bam, 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 c'est nickel. Hein. C'est nickel avec un gros grillage qui irait vers le BGA. Là, je suis nickel. Hein. Ouais, même un. Bon, après, j'ai pas d'exemple. Oh, ceux-là, ils sont incroyables. C'est vrai que ceux-là. Ah, c'est vrai que ceux-là, couverts et tout, c'est un truc de fou. Hein. Ah, je sais pas. Je suis en pleine hésitation, hein. Je suis en pleine hésitation et en plus, j'aurais pas hein, tellement. Il me reste que 188 000 euros. Hein. Oh, sinon, je place directement ça. Hein. On n'est pas là pour s'emmerder. Hein. non, ça, c'est peut-être un peu. Ah, ça serait pas mal en vrai. Hein. Tu le mets là, à aller direct sur le bitume, là, comme ça. Et tu terraformes un petit peu. Et ça le fait, hein, parce qu'après, sinon, l'autre sens, c'est ça. Ouais, l'autre sens, ça le fait aussi, hein. Tu vois, je me mets un peu comme ça, un peu là, comme ça, avec le bitume qui va un peu dedans. Parce qu'après, les autres sens, bah, on est complètement à l'opposé, donc c'est pas, je pense, souhaitable. Ouais, là, j'avoue que les gars, je suis en pleine réflexion. Je suis en pleine réflexion sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Ouais, je pense que les gars, vous allez me dire en commentaire si vous avez des idées. Où est-ce que vous souhaiteriez que je place Et je demanderai aussi à Virgile s'il a des idées, même à Théo. Parce que là, en vrai, il y a moyen de réfléchir à un truc pas mal et que cette ferme, elle rentre vraiment bien. Et là, j'ai presque envie après de mettre une stabulation qui irait de ce côté-là. Comme ça, on a le silo là, qui va BGA et stabulation. Je pense que vous commencez à imaginer. Bon les gars, je pense arriver au terme de cet épisode là, c'est une séquence hyper longue hein, que je viens de faire de placement du BGA, mais il y avait plein de choses à voir ensemble. Ouais, ça fait 11 minutes non-stop que je vous parle, c'est rare hein, d'en partir d'un, en général c'est beaucoup d'accélérer machin, là j'avoue que un peu moins, après vous avez eu des gros accélérés de moisson, donc on va se laisser bien je pense là-dessus pour cet épisode. Faut que je ramène le TG, il faut que je sème, en vrai bah, c'est ce que là en vrai c'est la prochaine étape, hein. Faut que je sème le maïs, donc je vais semer du maïs là, durant le off on va en faire beaucoup avec Virgile, gros semis, donc on va essayer de semer tout ça je pense durant le off. Vous allez me dire t'es un peu loin du site. Pour le moment, c'est vrai, on aura un peu de trajet en benne, mais je pense que c'est pas grave. Et du coup, une fois qu'on aura semé tout ça, eh bien, j'irai rassembler les champs là. J'irai rassembler les champs et comme ça, ici, on fera aussi le dernier champ de maïs, je pense, et qui sera assez grand. On dirait pas comme ça qu'il est grand, mais regardez par rapport au champ qu'on a là. Une fois qu'on aura tout rassemblé ici, ce sera déjà, je pense, l'un des plus gros champs de la ferme. Hein. Donc en vrai, attention les gars, ça va être très très sérieux les amis. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous fais le bilan. Du coup, forcément, on a perdu beaucoup d'argent, mais oh là là, c'est vrai qu'on a 750 000 euros d'emprunt. Il y a intérêt que le BGA rapporte. Hein. Sinon, on est dans la grosse merde. Mais c'est parti d'un, c'est ça qui est sympa. Allez, gaz d'énergie. Ciao tout le monde.